Je voudrais, au nom de l'équipe d'experts ayant conduit les travaux et à mon nom personnel, exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour avoir accepté d'honorer de sa présence la présente cérémonie officielle de remise et de lancement du rapport officiel de l'examen stratégique national fin zéro au Bénin d'ici 2030. Par ce geste de haute portée symbolique, le président de la République et son gouvernement confirment ainsi publiquement, s'il en était encore besoin, leur ferme engagement et leur attachement réel aux actions visant à consolider les fondamentaux du développement de notre pays, en l'occurrence les mesures dédiées à l'éradication de la faim et à l'amélioration de la nutrition, condition sine qua non pour asseoir un développement humain durable. Monsieur le Président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, la faim et la malnutrition constituent de très graves fléaux qui freinent véritablement le développement socio-économique de nombreux pays dans le monde. Au Bénin, en particulier, plus d'un million de personnes souffrent des affres de la faim et un enfant de moins de 5 ans sur 3 est affecté par la malnutrition chronique dont les lourdes conséquences impactent dangereusement la santé et l'épanouissement individuel et collectif. C'est donc à juste titre que le gouvernement béninois a initié, avec l'appui du Programme alimentaire mondial, cet examen stratégique qui vise à travers un processus indépendant, inclusif et multidisciplinaire à déterminer les stratégies et les actions prioritaires susceptibles de favoriser les avancées vers l'atteinte du deuxième objectif de développement durable, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable à l'horizon 2030. Mesdames et messieurs, à la demande conjointe du gouvernement béninois et du Programme alimentaire mondial, j'ai eu l'honneur de jouer le rôle exaltant de facilitateur principal pour conduire à terme cette étude diagnostique. En me réjouissant particulièrement de l'aboutissement heureux de cette étude, je voudrais une fois encore saluer la vision et l'engagement du président de la République et de son gouvernement à lutter résolument contre la faim et la malnutrition. Je voudrais aussi, au nom de toute l'équipe constituée autour de cette revue stratégique, remercier sincèrement le gouvernement béninois pour la confiance placée en nous et surtout pour son appui technique et financier à l'exécution de la dite étude. J'exprime également notre profonde reconnaissance au Programme alimentaire mondial, particulièrement à son directeur régional pour l'Afrique du Centre et de l'Ouest, et à son directeur pays au Bénin, ainsi qu'à tous leurs proches collaborateurs pour leur soutien technique et financier. Je tiens par ailleurs à remercier toutes les institutions nationales et internationales, publiques et privées, qui se sont activement impliquées dans l'examen stratégie nationale fin zéro et ont pu ainsi contribuer de diverses manières aux résultats et aux rapports obtenus. Je ne saurais oublier dans mes remerciements les membres de l'équipe qui a exécuté les travaux. Je voudrais les féliciter pour l'esprit d'équipe et l'expertise dont ils ont fait preuve tout au long du processus. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs, l'engouement et la participation active de tous à cette revue stratégique sont tout à fait justifiés, car personne ne saurait se satisfaire que dans un pays regorgeant d'énormes potentialités naturelles,
de nombreux enfants continuent d'avoir leur potentiel physique et intellectuel diminué et soient de plus en plus exposés aux maladies à cause de la faim, des pratiques inadaptées d'alimentation, d'hygiène et d'assainissement. Il est aussi incompréhensible que de ce fait, ces enfants aient leur avenir hypothéqué et que le développement socio-économique de la nation tout entière en soit négativement affecté sur plusieurs générations. Personne ne saurait se satisfaire non plus que de très nombreux Béninois souffrent de sous-alimentation alors que le potentiel de production alimentaire demeure encore largement sous-exploité. Certes, des défis sont énormes et sont réels, mais il est réconfortant de noter que les solutions idoines existent et ne demandent qu'à être mises en œuvre pour le bonheur et le bien-être de tous. Monsieur le Président de la République, mesdames et messieurs, cet examen stratégie nationale que j'ai eu l'honneur d'accompagner a été une expérience passionnante et enrichissante. Le rapport final qui en est issu et les 5 rapports sectoriels qui l'accompagnent représentent les fruits des contributions de tous les acteurs impliqués et constituent de précieux outils pour l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2 à l'horizon 2030 au Bénin. C'est pourquoi je voudrais pouvoir compter sur l'engagement et la participation soutenue de tous les responsables et cadres à divers niveaux pour que les actions prioritaires retenues au terme de ce processus soient effectivement opérationnalisées et mises en œuvre afin que l'éradication de la faim et de la malnutrition devienne une réalité concrète au Bénin d'ici 2030. Je vous remercie. Un réel plaisir de prendre la parole ce jour devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie de remise officielle au président de la République du Bénin du rapport de l'examen stratégique national fin zéro et de son lancement. Il me plaît de rappeler ici qu'en septembre 2015, les Nations Unies avaient adopté 17 objectifs de développement durable, qu'on appelle ODD, en vue d'éradiquer la pauvreté et la faim, de protéger la planète et d'assurer la prospérité pour tous à l'horizon 2030. Par la même occasion, les chefs d'État se sont engagés à mettre en œuvre l'agenda 2030 pour le développement durable et ont sollicité l'Organisation des Nations Unies pour appuyer la mise en œuvre. L'ODD numéro 2 vise particulièrement à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable d'ici 2030. Au plan mondial, il s'articule autour de 14 indicateurs, dont 3 ont été identifiés comme prioritaires ici au Bénin. Mesdames et messieurs, distingués invités, le Bénin s'est engagé au plan international et en vue d'assurer l'atteinte des ODD et surtout l'ODD numéro 2, a bien voulu conduire un examen stratégique national fin zéro au cours de l'année 2018. Malgré les efforts déployés par les gouvernements et les partenaires techniques et financiers depuis plusieurs années dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure encore à ce jour un défi majeur à relever dans la plupart de nos pays. Pour le Bénin, par exemple, l'analyse globale de la vulnérabilité et de la sécurité alimentaire réalisée en 2017 avec l'appui du PAM a révélé que près d'un million de Béninois, soit 9,6% de la population, sont en insécurité alimentaire, dont 80 000 sont en insécurité alimentaire sévère. Ces chiffres nous interpellent à plus d'un titre, surtout dans le contexte de l'agenda 2030, où il ne faut laisser personne de côté.
L'éradication de la faim et de la malnutrition constitue en effet l'un des grands défis dans la région. En plus d'être une source de souffrance et de problèmes de santé, une alimentation insuffisante ou inadéquate ralentit les progrès dans de nombreux domaines du développement comme l'éducation et l'emploi. C'est justement pour cette raison que le Programme alimentaire mondial salue l'engagement fort du gouvernement du Bénin à mettre en place et à investir dans un vaste programme national d'alimentation scolaire intégrée. Ceci constitue un exemple à suivre par d'autres pays si nous voulons nous mettre véritablement sur le chemin de l'éradication de la faim. L'alimentation scolaire constitue en effet un filet de protection sociale avec de multiples bénéfices qui contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire. En effet, si nous voulons voir un monde libéré de faim d'ici 2030, les gouvernements, les citoyens, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement doivent collaborer et créer des synergies pour innover et investir dans des actions de lutte contre la faim. Le Programme alimentaire mondial, pour sa part, reste totalement engagé dans cette dynamique. Je voudrais ici féliciter le professeur Mathurin Nango, le facilitateur principal de l'examen stratégique national, qui a accepté de conduire de façon consensuelle et efficace au fil des mois cet important processus avec son équipe composée d'éminents chercheurs. Mes remerciements vont aussi aux membres du comité technique et du comité consultatif qui n'ont ménagé aucun effort au cours des différentes étapes de l'examen stratégique dans une démarche indépendante, participative et inclusive. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, les conclusions auxquelles nous avons abouti au terme de l'examen stratégique fin zéro réalisé au Bénin, ainsi que la feuille de route qui a été définie, orienteront l'exécution des priorités nationales. En outre, elles informeront les plans et programmes des partenaires au développement et des agences du système des Nations Unies, y compris le plan stratégique pays du PAM pour le Bénin en cours d'élaboration et devant couvrir la période allant de juillet 2019 à décembre 2023. Nous osons espérer que ces recommandations vont également clarifier les rôles du secteur privé, de la société civile et toutes les autres parties prenantes qui accompagneront le Bénin vers l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 2 à l'horizon 2030. Je n'ai nul doute que la feuille de route proposée permettra au Bénin, en plus des actions déjà entreprises, de se mettre résolument sur le chemin de l'éradication de la faim. C'est pour cela que je voudrais réitérer, au nom des plus hautes autorités du Programme alimentaire mondial, ma gratitude au gouvernement du Bénin et au chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, pour le leadership démontré, aussi bien dans le financement que dans la conduite de l'examen stratégique national fin zéro. Faisons du défi fin zéro une réalité au Bénin. Vive la coopération au service du développement durable et vive la coopération entre le Bénin et les Nations Unies. Je vous remercie. Monsieur le facilitateur principal, vous venez de me remettre avec toute la solennité requise le rapport d'étude sur notre stratégie nationale fin zéro, échéance 2030. Je voudrais, en vous donnant acte, vous adresser à vous-même et à l'équipe qui a montré avec brio son expertise, mes vives félicitations et vous assurer du grand intérêt que mon gouvernement et moi-même portons à son contenu. À cet égard, je me réjouis que le document soumis à notre attention
Procéder à un diagnostic conséquent des facteurs sectoriels et multiformes qui concourent au constat encore relativement préoccupant du bien-être quotidien de nos compatriotes en dépit de certains résultats encourageants enregistrés par notre pays ces dernières années. Je voudrais noter par ailleurs avec satisfaction que le rapport a procédé à un inventaire satisfaisant des différents types de réponses coordonnées que les autorités béninoises s'efforcent d'apporter chaque jour aux problèmes identifiés avec le concours technique et financier de nos partenaires. Je voudrais saisir la présente occasion pour saluer à nouveau et de façon bien appuyée l'engagement constant de ceux-ci à nos côtés, nos partenaires, dans l'œuvre exaltante d'édification d'une nation béninoise de prospérité partagée. Pour l'essentiel, le contenu du rapport confirme, monsieur le facilitateur principal, les grandes options inscrites dans le programme d'action de mon gouvernement pour la période 2016-2021 dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Bénin. Je prends en outre acte des suggestions qui sont faites dans le but d'accélérer l'atteinte des résultats visés, ainsi que des actions prioritaires proposées spécifiquement à l'attention des couches socioprofessionnelles les plus défavorisées. Pour finir, mesdames et messieurs, monsieur le facteur principal, monsieur le directeur régional, je voudrais exprimer ma gratitude à l'égard du Programme alimentaire mondial pour avoir appuyé le Bénin dans la réalisation de cet examen stratégique si important pour notre pays, et exprimer aussi ma gratitude aux membres de l'équipe qui s'y est consacrée avec autant de qualité. J'ai été personnellement impressionné par le résumé présenté en quelques minutes par la personne qui nous a gratifié de son talent. Monsieur le professeur principal, nous avons entendu le maître de cérémonie dire qu'aujourd'hui, c'est la fin de la fin. Cette expression nous a amusés, mais est certainement le mot dont on se souviendra longtemps, que ce jour nous avons engagé notre pays de manière encore plus résolue dans la lutte contre la malnutrition. Personne ne doute de la volonté du gouvernement béninois d'agir avec détermination et efficacité dans la meilleure prise en charge de l'alimentation de nos enfants. Si on peut craindre que pour nous, il est déjà trop tard, nous avons de bonnes raisons de rattraper ce retard avec nos enfants. Un mandat, c'est court, mais suffisamment long pour impacter son pays des actions les plus prioritaires. Et la prise en charge de l'alimentation, de la bonne alimentation de nos enfants, constitue pour nous un programme majeur, parmi les programmes les plus majeurs. Je voudrais, monsieur le professeur principal, vous prendre à témoin. Nous allons, dans quelques années, faire le bilan, si le ciel nous en donne la grâce, de ce que nous aurons fait ensemble. Et je voudrais, au nom du gouvernement, vous remercier, remercier l'ensemble des partenaires, le Programme alimentaire mondial qui nous accompagne dans ce programme, et vous assurer encore une fois de notre engagement.